Et concernant la situation épidémiologique ici en Belgique et la rentrée scolaire, parce que dans une semaine, les élèves retrouveront le chemin de l'école, les classes étant les lieux où le virus circule énormément, les experts veulent préparer le terrain au mieux afin d'éviter les fermetures. On n'échappera pas, la rentrée de janvier 2022 se fera bien sous le signe d'Omicron et cela ne fait aucun doute, les contaminations vont exploser. On le voit déjà au sein de la population, en une semaine entre le 23 et le 29 décembre, le nombre de cas détectés a doublé, ce doublement, on l'observe dans toute la catégorie d'âge, à l'exception de celle des 0 jusqu'à 9 ans. Les enfants jouent entre eux et se contaminent probablement, commente Yvan Vallatem, porte-parole de la lutte contre le coronavirus. Il y a donc certainement un sous-testing, mais il est certain que les contaminations vont reprendre de plus belle à la rentrée. Avant la fermeture anticipée des écoles entre la semaine 40 et la semaine 48, le nombre de contaminations chez les 0 jusqu'à 9 ans avait été multiplié par 10. Là où chez les plus grands, on les multipliait par 7,5. L'accélération des contaminations était donc plus rapide dans les écoles que dans la population en général. On a l'impression que pour le moment, toujours plus haut est la devise, résume Ivalatem. Les écoles joueront un rôle, ce qu'il faut, c'est être prêt avant la réouverture. Avec la reprise des activités dans l'école, ça va encore donner un coup aux contaminations, confirme également l'épidémiologiste Yves Coppeters. C'est pourquoi il faut revoir les critères de quarantaine, et cela vaut pour l'école également. Revoir les critères dont doit permettre de ne plus jouer à la fermeture des classes. Et dans un article sur Sudinfo intitulé Quarantaine, test, tracing, on va sans doute alléger pour la rentrée. Les ministres de la Santé se réunissent en ce début de semaine pour en décider. Autre, le variant Omicron, plus transmissible mais apparemment moins virulent, va sans doute pousser les ministres de la Santé de notre pays à alléger les règles de la quarantaine, du testing et même du tracing. Les experts de Risk Assessment Group se sont réunis à ce sujet. Une réunion des ministres de la Santé est d'ailleurs prévue début de cette semaine pour en décider lundi ou mardi, nous dit Karine Moekens, présidente du comité interfédéral Testing et Tracing. L'idée est d'alléger les règles de la quarantaine et du testing, mais rien n'est encore décidé. Le Risk Management Group doit encore suivre l'avis des experts et ce seront les ministres de la Santé qui trancheront. Techniquement, il faut une semaine pour changer la stratégie. Techniquement, il faut une semaine pour changer la stratégie. Les nouvelles règles entreront donc en vigueur vers le 10 janvier. Concernant la France et les États-Unis, ont déjà réduit les quarantaines. On voit mal la Belgique ne rien changer aux règles alors que le variant Omicron change la donne. La France et les États-Unis, par exemple, des pays pourtant plus impactés par un emballement des contaminations, ont déjà décidé de réduire la durée de la quarantaine. Celle-ci est passée de 10 jours à 7 jours, voire 5 jours, afin de ne pas ralentir l'activité économique. Actuellement, un cas positif est mis en quarantaine pendant 10 jours. Actuellement, un cas positif est mis en quarantaine pendant 10 jours. La quarantaine des cas contacts varie selon que l'on soit vacciné ou non. Les non vaccinés doivent se faire tester le premier jour et le septième jour en restant en quarantaine jusqu'au résultat du deuxième test qui doit être négatif. Les vaccinés ne peuvent faire qu'un seul test vers le cinquième jour. Mais avant ce test PCR, ils peuvent éviter la quarantaine si un autotest quotidien montre un résultat négatif. La stratégie sera aussi adaptée au niveau du tracing, sans quoi les équipes seront débordées. L'idée est de tracer les symptomatiques en priorité. Et pour l'année 2022, démarre bien avec l'indexation des salaires, mais aussi celle des loyers. Cette année encore, les Belges vont pouvoir compter sur l'indexation de leur salaire pour préserver leur pouvoir d'achat. Ce mécanisme permet en effet d'adapter les revenus et les allocations sociales en fonction de l'évolution du coût de la vie.
Or, étant donné que la Belgique fait face à une inflation particulièrement importante, cette indexation des salaires est plus que bienvenue pour de nombreux salariés, mais il y a cependant un mais. En effet, si les salariés profitent d'une révision à la hausse de leurs revenus en raison de l'inflation, les propriétaires de biens immobiliers aussi, puisqu'ils vont pouvoir les indexer en 2022. Les locataires vont donc payer leur loyer plus cher, à moins que leur contrat ne l'exclue ou que leur propriétaire ne le fasse tout simplement pas ou de manière partielle. Ainsi, à l'anniversaire de l'entrée en vigueur de leur bail, les locataires verront le montant de leur loyer augmenter et une révision à la hausse qui sera certainement plus importante que d'habitude puisque l'inflation s'est véritablement emballée en 2021. L'indexation des loyers s'explique tout simplement par le fait que les loyers sont considérés comme un revenu en raison de l'inflation et de l'indexation des salaires qui en découle, les propriétaires peuvent en bénéficier. Le salaire des fonctionnaires et celui de certains secteurs comme celui de la chimie augmentent à chaque fois que l'indice santé, qui correspond à l'indice des prix à la consommation, et prend en compte l'inflation et le coût du fameux panier de la ménagère ou de référence qui rassemble les divers biens et services, dépasse un certain niveau fixé de 2%. C'est ce qu'on appelle l'indice pivot. Or, l'indice pivot a été dépassé en août dernier. Les salaires ont donc déjà été augmentés en octobre et septembre pour les allocations sociales. D'après le Bureau fédéral des plans, l'indice pivot a de nouveau été dépassé en décembre 2021, ce qui induit une nouvelle hausse des allocations sociales de 2% en janvier 2022 et des salaires dans la fonction publique en février prochain. Une nouvelle augmentation est attendue en septembre et en octobre 2022 en raison du fait que l'indice pivot devrait à nouveau être dépassé en août prochain sur base d'un taux d'inflation prévisionnel pour l'année 2022 de 3,8%. Les salaires des plus de 450 000 employés de la plus grande commission paritaire 200 augmenteront de 3,58% d'après le fournisseur des services ressources humaines, SDWorks, à compter de janvier 2022. Du côté de l'Eureka, une indexation des salaires de 3% est annoncée. Au sein de l'industrie alimentaire, elle sera de 3,22%. Et pour l'année 2022, démarre bien avec l'indexation des salaires, mais aussi celle des loyers. Cette année encore, les Belges vont pouvoir compter sur l'indexation de leur salaire pour préserver leur pouvoir d'achat. Ce mécanisme permet en effet d'adapter les revenus et les allocations sociales en fonction de l'évolution du coût de la vie. Or, étant donné que la Belgique fait face à une inflation particulièrement importante, cette indexation des salaires est plus que bienvenue pour de nombreux salariés, mais il y a cependant un mais. En effet, si les salariés profitent d'une révision à la hausse de leurs revenus en raison de l'inflation, les propriétaires de biens immobiliers aussi, puisqu'ils vont pouvoir les indexer en 2022. Les locataires vont donc payer leur loyer plus cher, à moins que leur contrat ne l'exclue ou que leur propriétaire ne le fasse tout simplement pas ou de manière partielle. Ainsi, à l'anniversaire de l'entrée en vigueur de leur bail, les locataires verront le montant de leur loyer augmenter et une révision à la hausse qui sera certainement plus importante que d'habitude puisque l'inflation s'est véritablement emballée en 2021. L'indexation des loyers s'explique tout simplement par le fait que les loyers sont considérés comme un revenu en raison de l'inflation et de l'indexation des salaires qui en découle, les propriétaires peuvent en bénéficier. Le salaire des fonctionnaires et celui de certains secteurs comme celui de la chimie augmentent à chaque fois que l'indice santé, qui correspond à l'indice des prix à la consommation, et prend en compte l'inflation et le coût du fameux panier de la ménagère ou de référence qui rassemble les divers biens et services, dépasse un certain niveau fixé de 2%. C'est ce qu'on appelle l'indice pivot. Or, l'indice pivot a été dépassé en août dernier. Les salaires ont donc déjà été augmentés en octobre et septembre pour les allocations sociales.
D'après le Bureau fédéral des plans, l'indice pivot a de nouveau été dépassé en décembre 2021, ce qui induit une nouvelle hausse des allocations sociales de 2% en janvier 2022 et des salaires dans la fonction publique en février prochain. Une nouvelle augmentation est attendue en septembre et en octobre 2022 en raison du fait que l'indice pivot devrait à nouveau être dépassé en août prochain sur base d'un taux d'inflation prévisionnel pour l'année 2022 de 3,8%. Les salaires de plus de 450 000 employés de la plus grande commission paritaire 200 augmenteront de 3,58% d'après le fournisseur des services ressources humaines SDWorks à compter de janvier 2022. Du côté de l'Eureka, une indexation des salaires de 3% est annoncée. Au sein de l'industrie alimentaire, elle sera de 3,22%.